Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review, vous l'avez vu. On va parler aujourd'hui d'une figurine de chez Star Wars, il s'agit de Obi-Wan Kenobi. Figurine qui est sortie la semaine dernière à Hong Kong, donc je l'ai commandée vendredi. Je l'ai reçue hier, hier on était jeudi, donc la livraison était assez rapide. Donc il s'agit de Obi-Wan Kenobi de l'épisode 3, La Revanche des Sith. Il s'agit de l'acteur Ewan McGregor. Super figurine qu'on va découvrir ensemble dans la review. Allez, à tout de suite les amis. On va passer à la présentation de la boîte. Donc c'est toujours les mêmes, hein, les boîtes de chez Hot Toys. Voilà, avec le fond noir, une représentation du personnage, plutôt de la figurine. La petite nouveauté, vous avez vu, on a cette espèce de petite fiche cartonnée. Donc qui est représenté avec la photo de la figurine, très jolie, voilà, avec marqué Star Wars Obi-Wan Kenobi. Donc c'est la Movie Masterpiece 477. Voilà, il y a marqué Star Wars, c'est du Hot Toys. Derrière, comme d'habitude, les consignes de sécurité. Voilà, le logo de la Rebelle Base et de la Secrète Base, c'est de la marque Hot Toys. En haut, Star Wars, et en bas, Star Wars. On va procéder tout de suite à l'ouverture de la boîte. Alors la boîte s'ouvre comme d'habitude vers le haut. Donc on a un deuxième visuel très joli, super sympa. Je crois que je vais le mettre avec. Voilà, de Obi-Wan, donc qui combat Anakin. Superbe, très très joli, hein, le visuel. Je vous le remontre encore de plus près. Et quand vous l'ouvrez, donc quand vous l'enlevez, vous avez la figurine. Avec pas mal d'accessoires, on va la regarder ensemble, avec pas mal de mains de rechange. Donc c'est la version régulière, hein, j'avais pas commandé la version exclue. Super, je vais l'ouvrir, je la découvre avec vous, hein, je viens de la réceptionner à l'instant. Alors on va passer aux mains de rechange. Donc au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, au nombre de 5, plus le bras avec la LED, hein, puisqu'il y a un light-up dans cette figurine. Donc je vais découvrir un petit peu les mains de rechange. Donc toujours très bien texturé, hein, chez Hot Toys, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le paint est très bien réalisé, on a une belle pigmentation de la peau, voilà, toujours avec les veines bien apparentes, super bien détaillé. Donc des mains ouvertes, on a également des poings fermés, donc pour tenir le sabre laser. On a également une main où il montre les deux doigts, donc une pose célèbre dans l'épisode 3 quand il combat Grievous, je crois. Donc voilà, une espèce de main qui représente un peu les signes de la force. Voilà, et des mains encore pour tenir également son communicateur. On va voir ça ensemble. On a également le bras donc qui sert avec la LED, donc il y a des piles à mettre à l'intérieur avec le sabre laser. Le sabre laser est très joli, hein, vraiment identique à celui du film. Donc voilà un petit peu pour les mains de rechange. Je vais ouvrir le blister. Alors on va, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? Il y a l'air d'avoir je croyais qu'il y avait un truc à l'intérieur, qu'il y avait une fiche cartonnée. Alors je procède à l'ouverture du blister. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors toujours cette bonne odeur de figurines, hein, de plastique, j'adore ça. On a son sabre laser, superbe, hein, très joli, très très bien réalisé avec la lame, une lame très fine, hein, c'est pas comme celle de la figurine de Luke Skywalker que je vous ai présentée la dernière fois. Donc là on a vraiment une très très jolie lame, légèrement transparente, du film. On a également une lame, comment dire, un espèce de mouvement. Donc moi je pense que je vais l'exposer avec cette lame, hein, comme s'il frappait ses adversaires, ses ennemis, pardon. Donc la lame. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le droïde donc en plusieurs morceaux. Donc super bien présenté. Donc le droïde, voilà, qui est brisé. Donc en trois pièces, hein, le droïde est en trois pièces. Le droïde, il tient un blaster. Donc je vais vous montrer le blaster. C'est du plastique, on ne peut pas retirer le blaster, hein, si je ne dis pas de bêtises, non, on ne peut pas le retirer. Super bien fait au niveau des détails,
Donc ça, c'est la première pièce. La deuxième pièce, c'est la tête du droïde, voilà, qui est fendue au niveau de la face avant, donc bien représentée. Et la troisième, donc c'est le corps du droïde, donc qui est fendu en deux. On voit tous les faits mécaniques à l'intérieur, très très joli, super bien réalisé. Donc le droïde, on a également une pièce supplémentaire donc qui permet, c'est son communicateur, voilà, qui permet de communiquer donc avec Anakin. On a des pecs de rechange, on a des piles et la figurine. On va voir ça ensemble. On va passer d'abord, on va regarder le socle. Avant de regarder la figurine, on va regarder vite fait le socle. Donc c'est toujours les mêmes, hein, les socles de chez Star Wars. Il y a deux, par contre, il y a deux fonds à l'intérieur. Alors, je vais l'ouvrir. On va regarder ça ensemble. Ouais. Il y a deux visuels au niveau du socle. Donc, on a toujours le socle d'un vaisseau légèrement feutré et un visuel qui représente un petit peu le sol pierreux, super bien représenté, également feutré. Sinon, le socle, rien de spécial, hein, voilà, il y a marqué Star Wars, Obi-Wan, Kenobi. On va passer tout de suite à la figurine. Voilà, les amis. Donc, on va passer à la figurine. Je vais lui retirer ses protections. On va regarder le HS ensemble. Je vais retirer les protections des jambes qui sont bien fermées, comme d'habitude, chez Hot Toys. Alors, ah, ça vache, la vache. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Toujours très bien emballé, hein, chez Hot Toys, ça, c'est bien. Ah ouais, il les serre comme des malades au niveau des scotchs. On va faire doucement pour pas l'abîmer. Ok. Ensuite, il y a des protections au niveau des mains. Voilà. Alors, je regarde le HS un petit peu avec vous. On va en reparler du HS. On va en reparler parce que j'ai des choses à dire. Je vais encore retirer les protections au niveau de la ceinture. Voilà. Donc ça c'est fait, ça on va l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais retirer la tête et on va enlever la protection au niveau du cou. Ok, on va regarder un petit peu ce HS. Alors je vais regarder le proto, hein. J'ai vu la review de notre ami Samuel. Effectivement, c'est vrai, quand j'avais vu les photos du visage, quand la figurine est sortie, j'ai eu un choc parce qu'on est un petit peu loin du prototype. C'est vrai que le visage du prototype, je vais vous le remonter d'un peu plus près, je ne sais pas si on voit bien là. Au niveau du paint, il est beaucoup plus accentué au niveau des rides. Il a plus de rides sous les yeux, le teint est beaucoup plus pâle, beaucoup plus mat, pardon, pas pâle, beaucoup plus mat que le HS final. On reconnaît l'acteur sans problème. Au niveau des yeux, c'est pas vraiment la même expression au niveau des yeux, hein, j'ai l'impression. Les yeux sont beaucoup plus clairs et les cheveux un peu plus. Ouais, les cheveux un peu plus foncés. Un peu plus foncés. Bon, on reconnaît l'acteur, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est du très beau travail de chez Hot Toys, ça, il n'y a pas de problème. On reconnaît Erwan McGregor, ça, il y a sans souci. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une légère différence entre ce qui nous a été présenté dans le prototype et le HS final. Mais bon, ça reste quand même une très belle réalisation. On va passer un petit peu donc aux vêtements. Alors, on va regarder le manteau. Donc, je vais retirer le manteau. Très très doux au toucher. Par contre, ça accroche un peu, hein, faites gaffe. Ça accroche un peu, toujours, hein, les toches de chez Hot Toys. Alors, rien n'est câblé. Il n'y a pas de câblage au niveau de la robe de bure. Non, ouais, non, rien n'est câblé. Donc, mais ça reste quand même une très très jolie robe de bure. Au niveau de la tenue, donc tout est bien représenté, hein, c'est vraiment la tenue typique des Jedi, superbe. La ceinture est en cuir. Ouais, la ceinture est en cuir. Je regarde, les bottes sont également en imitation cuir, hein, je sais pas si c'est du vrai cuir ou si c'est du simili. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un vieux plastique tout moche. Là, on est vraiment sur un très beau, une très belle imitation de bottes en cuir. Voilà, le pantalon, on est sur du tissu.
Voilà, la combinaison de Jedi, c'est une espèce de comment dire, de blanc cassé, un petit peu comme ça, légèrement usé. Pas trop, mais un petit peu, la tenue est légèrement un petit peu salie comme ça, mais ça se voit pas trop, hein. Au niveau des articulations, bah, comme d'habitude, hein, ça s'articule très bien, hein. Au niveau des bras, voilà. Au niveau du bassin, on va d'avant en arrière, on va de côté. Les genoux se plient très bien et les pieds également. Allez, je vais vous monter tout ça et on va la voir ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on va passer donc à la conclusion de cette figurine de chez Hot Toys de notre ami Obi-Wan Kenobi. Alors encore une fois, une très belle réalisation de la part de chez Hot Toys. Hot Toys nous a habitués depuis quelques années maintenant à de très belles figurines, surtout celle de Star Wars. Moi j'attends avec impatience le Comte Dooku qui va bientôt sortir dans quelques mois et Yoda également. Déjà l'année dernière, hein, Hot Toys nous a bluffé avec la figurine d'Anakin Skywalker. Là, on est encore une fois sur du très haut vol de la part de Hot Toys en ce qui concerne la réalisation du visage, hein, de Ewan McGregor. On est vraiment dans une très très belle ressemblance, même si on est un petit peu loin de ce qui avait été annoncé sur le prototype. C'est vrai que moi j'avais un petit peu peur quand j'ai vu la semaine dernière les photos du produit final. On n'était pas vraiment sur la réalisation du prototype au niveau de la teinte du visage, au niveau de l'expression du visage, de certaines rides, au niveau du paint également, mais ça reste quand même une très belle réussite de la part de Hot Toys. Au niveau de la tenue, comme d'habitude, hein, une très belle tenue, hein. Accurate à celle du film, bien évidemment. On est voilà sur une combinaison de Jedi. Les bottes en imitation en cuir sont très bien réalisées également. La ceinture en cuir, le sabre laser qui est très joli, hein, super sabre laser. Je crois que je vais l'exposer dans cette position, hein, cette pose mythique lorsqu'il combat Grievous. Voilà. Donc moi j'ai pris la version régulière, hein. Je voulais pas forcément la version exclue pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est beaucoup plus chère. On est presque dans les 80 € plus cher que la version régulière. Et même si c'est vrai que l'hologramme, la version avec l'hologramme est super sympa. Bon, l'exposer avec le bébé, c'est pas
tellement nécessaire. Voilà. Moi, et ça me convient tout à fait pour l'exposer avec, avec Anakin dans ma Détolf, dans cette position. Donc ça fait largement le boulot. Donc si vous n'avez pas encore précommandé cette figurine, je pense qu'elle sortira d'ici 2-3 mois en France. Elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière, donc vous pouvez la trouver sur eBay, chez Toys for Kidul et chez Tencent. Moi je l'ai achetée chez Toys for Kidul, hein, je crois que c'est ma 13e figurine que j'achète chez lui. Elle a baissé, hein, elle a baissé de 20 euros. Voilà, si j'aurais attendu un petit peu, je l'aurais eu un peu moins cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand on est collectionneur, quand on est fan de Star Wars, on ne peut pas attendre. Elle est maintenant, je crois, à 259 euros, donc franchement... si vous ne l'avez pas encore, allez-y, foncez, comptez 9-10 euros de frais PayPal. Voilà les amis, ben j'espère que cette petite review vous a plu. Moi, je suis très content d'avoir cette figurine, elle va compléter ma, ma collection. J'attends celle de Count Dooku et également celle de Yoda et je serai vraiment comblé au niveau de ma collection de Star Wars. Voilà les amis, ben moi je vous dis à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un petit message, j'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. On a dépassé les 400 abonnés, on est à 416 abonnés, 415, 416. Donc c'est énorme. Tenez à vous remercier, merci pour votre confiance, merci de me suivre, c'est super sympa. Donc ça prouve que mon travail plaît et donc je vais continuer à vous offrir des vidéos de qualité et à vous présenter des figurines. J'aimerais également faire un petit coucou à mon ami Antoine de la chaîne Toys Tracker. Salut à toi Antoine, n'hésitez pas à s'abonner, à vous abonner à sa chaîne. Donc c'est Toys Tracker, donc sur YouTube. Également à mon ami Samuel Baudard qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de mes vidéos. Et je tiens également à faire un petit coucou à notre ami Anthony de la chaîne Anthony Geek le collectionneur qui va malheureusement arrêter les vidéos donc pour des raisons personnelles, ça le regarde. Donc je tenais à te dire Anthony que j'aime beaucoup ta chaîne et que tu vas énormément nous manquer. Voilà les amis.